Cesare. Les périphériques sont bouchés, le ciel aussi. Pour l'après-midi, comptez sur quelques éclaircies. Mais un conseil, n'oubliez pas vos affaires. À demain. Merci Charlotte pour ces pronostics peu réjouissants. Il est 7h30 à ma montre et une information sur mon bureau, un événement pittoresque. La société Sopida fête aujourd'hui sa 1000e boîte de cassoulet. Vous connaissez bien cette maison fondée en 1888 qui a pour la première fois utilisé la saucisse de Pelfort dans la fameuse recette traditionnelle de Castelnaudary. Sopida donc offre à son 1000e acheteur un week-end de rêve au Sénégal. En direct du magasin où se trouve cette fameuse boîte, nos reporters guettent l'heureux acheteur. Mes ordures, c'est bien le moins que je puisse demander à des gens qui vont foutre mon immeuble par terre, hein. Il est 11h30, les ménagères s'apprêtent à faire leurs courses pour le déjeuner. Peut-être allons-nous savoir très rapidement l'identité de l'heureux élu qui, je vous le rappelle, passera 2 jours de rêve à l'hôtel Palm Beach à Sali, Sénégal. Et maintenant, un peu de musique. Lady.
glace. C'est lui, tu crois? Dis donc, il est pas mal. Ça peut être lui. Ouais, c'est lui. Oh merde. Merde. Faut y aller, hein. Salut, fausse blonde! Crétin imbécile! Roi de la piscine. Je finis par être connu.
D'abord, je fais sensation avec mon slip. Dites. C'est pas un vrai slip de bain que vous avez là? C'est un slip kangourou, monsieur le maître nageur. Je veux bien admettre que ça n'est pas un slip de bain si vous me démontrez que le kangourou ne sait pas nager. Le kangourou sait-il nager? Vous ne savez pas. Je me demande ce qu'on vous apprend à l'école. Je me le demande. Ah oui. C'est pas une race que j'aime, les maîtres nageurs. Et attention, gondolier. Il y a un piranha qui essaie de dévorer ta faïelle. J'ai les rieurs de mon côté. Quand je monte au plomb joueur, c'est le triomphe. Allez tout le monde. Ah. Un peu trop d'admirateurs pour plonger. Un truc radical pour les éloigner. Je pisse. Oh là-bas, mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais oh, ça va pas? Ouais, pourquoi vous m'engueulez? Alors qu'ils en font tous autant. Non mais c'est pas possible, alors... c'est un malade, je rêve. Je sais pourquoi il râle. C'est pas à cause de mon slip, ni à cause de mes plaisanteries, ni parce que je pisse. C'est pas bientôt fini, ceci? Il gueule parce que je sais pas nager, mais qu'il va être encore obligé de me faire du bouche à bouche. Descendez. Le bonheur. Un comptoir, un hot dog, une bière, servi par une belle serveuse hargneuse. Qu'est-ce qu'elle me déteste. Le bonheur suprême, se faire offrir un dessert gratuit par une serveuse qui vous déteste. Je voudrais une tartelette. C'est ça mon dessert. Cette conne qui n'a rien compris. Eh, ben votre tartelette. Une femme doit toujours avoir des dessous impeccables. C'est la moindre des choses. Moi, je me dis toujours que s'il m'arrivait un accident dans la rue, à l'idée de paraître en sous-vêtements douteux devant des médecins, des infirmières... Ah, moi aussi, hein, c'est ce que je disais avant mon accident. Une voiture m'est rentrée dedans. Le choc a été si violent que mes sphincters ont lâché et que j'ai chié dans mon froc. J'aime bien drader ici. Les nanettes qui ont des longs bagots.
Coucou mignonne. Ça va pas, non? Encore de refus, pas de volte-face de tigresse pour vous balancer une taloche. Et si ça marche? On sait jamais, ça peut toujours marcher. On peut les faire gueuler au plumard sans beaucoup de moyens ni d'efforts. C'est les toilettes des femmes ici. Oui, justement, je suis une femme. Vous moquez? Pas du tout, pas du tout. Astrofo, je voudrais vous demander un petit service. Je viens de m'apercevoir que je vais avoir mes règles. Si je suis en fait de tampon, si vous pouviez m'en prêter un. La plaisanterie a assez duré. Sortez, monsieur, ou j'appelle la police. Bon, bon. Et comment vous avez fait pour deviner que j'étais un homme? Et ça? Et voilà! On se connaît depuis 20 secondes et vous avez déjà l'œil fixé sur la braguette, hein. Alors, homme, femme, ça vous suffit pas. Il vous faudrait une troisième catégorie. Les chiottes pour salopes. Et en plus, je me fais insulter. Et voilà. Pour une femme qui gardera un souvenir impérissable de moi pendant toute sa vie. Allez. Mike Charlie, bonjour. Mike Charlie, bonjour. Nathan du Fox, Bravo Novembre, Mike Charlie, un Beach 90 en provenance de Dakar, destination Paris. Déroutement chez vous, cause passager indésirable. Comme au niveau 75 en descente, au travers Préjou pour avoir les consignes. Mike Charlie, bien reçu. Le plafond est assez haut, haute visibilité, les pressions en QNH et Foxeco 1016 millibars. La piste 17 en service, pas trafic, vous rappelez en finale. Charlie, bonne visite, 1016 à 17 et je rappelle en finale. Non mais oh, mais ça va pas, non? Non. Thank you.
C'est du fausse blonde. Herregud, är du helt tajt eller? Stug som julingar då? T'as eu fausse blonde. Pauvre type, va. C'était censé ça. Mais pour qui il se prend? Fallo! C'est un monde, ça. Salut, fausse blonde. Salut, fausse blonde. Ça va pas, non? Obsédé sexuel, malade. C'est pas comme ça que vous allez en mettre une dans votre lit. Oh, je sais. Non, mais de toute façon, c'est foutu d'avance. Mais là, j'ai au moins une chance sur un million pour tomber sur une vraie blonde qui me montrera sa chatte pour me prouver que j'ai tort. Bonjour, monsieur. Seul l'instant de bonheur aura été un happé. Bien sûr, ça peut paraître sordide au premier abord. Mais si on se place sur un plan optimiste, on constate que même le plus malheureux des hommes peut avoir un instant de bonheur chaque jour. Et avec un peu d'imagination, n'importe qui peut s'enrichir facilement. Celui-là, je lui donne 16 sur 20. Et samedi, je jouerai tous les chiffres de la semaine au loto. Ou comment faire fortune avec le biogaz. Bon, et sur ces nobles pensées philosophiques et écologiques, bonne nuit. Deux portions de frites, s'il vous plaît. Oui. Voilà, tout de suite, vous faites. C'est pour la peine de mettre des cornets, là. Vous les mettez là-dedans directement. Oh, ben, comme vous voulez, hein. Oui, là-dedans. Ah. Allez-y. Il fait frais ce matin, hein. Il y a un petit vent frisqué, ça me tiendra chaud. Allez, voilà. Oh, j'ai jamais vu un mec aussi dégueulasse. Oh, voici. J'en ai connu un pour saler ses frites. Il pissait dessus. Trop dégueulasse. Voilà encore, avec votre grand slip, vous écœurez tout le quartier. Vous n'auriez pas autre chose à vous mettre? Si au moins il était propre, vous pourriez en changer de temps en temps, non? C'est à croire que vous n'en avez qu'un. Pas du tout. Alors là, pas du tout. J'en ai deux. Seulement, le jaune ne va pas avec mes yeux bleus. Regardez, ça va pas. Madame. Oui. C'est votre petite fille qui a essayé de me regarder les couilles pendant que je montais l'escalier. À son âge, je trouve ça dégoûtant. Mais.
Mais Véronique, il ne faut pas regarder les... Et d'abord, monsieur, c'est pas une tenue pour se promener dans les rues. Oui, bien, c'est ça. Allez-y, changez de conversation. Ça prouve bien que vous vous sentez fautif. Mais si ça avait été moi qui avait été regardé sous les jupes de votre fille... Quel scandale, n'est-ce pas? Quelle comédie! Au monstre, au détraqué, au satyre! Eh ben, madame, je peux en faire autant! Petite vicieuse, joyeuse, satyre, détraqué, obsédée, sexuelle! Oh, mon Dieu! Pardon! Oh mon Dieu, j'en pleure. Oh. Mademoiselle. Encore lui. N'en croyez rien, mademoiselle. J'avais une paire de couilles, n'a fait pleurer une femme. J'avais... Bonjour, mesdames. Trop dégueulasse. Trop dégueulasse. Voilà. Hein. Au suivant, à qui tourne. 9,70 francs. Merci, monsieur. Merci, pardon. Comme ça, c'est parti, en morceaux. Merci. 7,80, 8 et le 10. Pas bon. Venez, madame, laissez tomber les poires, venez là, par ici les fraises, allez. Regardez, c'est pas formidable ça? Allez, par ici les fraises. Venez, mesdames, elles sont belles mes fraises, tenez. Allez, venez. Ah. Allez, par ici, venez. Vous pourriez mettre un plastique sur vos fraises. Je dis, vous pourriez mettre un plastique sur vos fraises. Ils attirent les mouches. Ensuite, les mouches viennent sur mes couilles. Ça me fait éternuer. Allez mettre vos postillons ailleurs que sur mes fraises. Justement, je vous dis que c'est à cause de vos fraises. Et moi, vos couilles, je m'en fous. Quel dialogue. Barrez-vous, vous dégoûtez mes clients, Pas du tout. C'est-à-dire, je vous ferai remarquer que les mouches vont de vos fraises sur mes couilles et non de mes couilles à vos fraises. Ce qui prouve une chose d'une manière éclatante et qui vous met en colère, c'est que mes couilles ont plus de saveur que vos fraises. Oh. Bonjour, madame. Oh, une femme enceinte. Je suis tout ému à la pensée que dans ce ventre vit un petit être qui me ressemblera un jour. Ah, sûrement pas. En êtes-vous bien certaine? Sûre et certaine. Portez une culotte, je suppose. Eh bien, votre enfant porte déjà autour de la taille un slip beaucoup trop grand pour lui. Vous voyez, il commence à me ressembler. Vous êtes encore là en train de discuter, vous voyez? Je suis passé il y a une demi-heure, j'étais déjà. De quoi vous mêlez, vous? Mais on vous connaît pas? Vous n'avez rien de mieux à faire? Vous ne pourriez pas vous occuper de vos gosses, ou vous jeter des petits plats, ou chercher des boutiques moins chères, ou faire de la gymnastique, hein, ça vous ferait pas de mal. Mais vous êtes regardé, vous? Ou bien tirer un coup avec quoi? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Ah, vous avez cassé votre bouteille de lait. Faire perdre ses moyens à une femme au bout de 30 secondes, c'est pas à la portée de n'importe quel séducteur, ça. Semaine de la charcuterie. Le saucisson est à l'honneur. Surtout, ne le manquez pas. Monsieur Stefano, livraison. Pour vous, mesdames, du charme et encore du charme au rayon lingerie. Venez essayer, comparer et acheter. Thank you.
Le petit Nicolas attend toujours sa maman au stand des hôtesses. Touche pas au bouton. Ils ont une forme de bite, vos shampoings. Ah, puis le vin moussant aussi. Et le déodorant. Ça prouve que les femmes aiment bien les phallus. Je constate pourtant que vos braquemars n'ont pas de couilles. Donc les femmes n'aiment pas les couilles. C'est pour ça que je ne leur plais pas. Je suis exactement le contraire de leur idéal. Ouais. Tout en couilles, rien en phallus. Bonjour, madame. Il est peur de la mobilette rouge placée devant la sortie de secours et priez de la déplacer. Si vous prenez l'hiver du refroidissement, les ports dessus la butte vous attendent avec leurs prix spéciaux pour la braderie. Ginette à la réception, s'il vous plaît. Le propriétaire de la mobilette rouge placée devant la sortie de secours, ça vaut pas la peine qu'il se déplace, elle a été volée. Quelqu'un vous, quelqu'un. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Bien, merci. Tiens, tiens ça. Voilà. Tiens. On va aller acheter des sucettes. Alors, on vient s'acheter des préservatifs pour son mari. C'est large de la part des hommes. D'autant plus qu'ils sont, contents d'en profiter. Au fait, vous connaissez le comble de l'horreur en matière de contraception? Non mais même accompagné d'un enfant, on se fait draguer. Ah ben justement, ça a un rapport avec les petits-enfants. C'est de tomber enceinte avec une capote anglaise percée et de perdre son gosse 3 ans plus tard parce que celui-ci s'est amusé à s'enfiler un préservatif sur la tête. Mais tu meurs étouffé. Filez où, j'appelle... Où j'appelle la police. Elle est furieuse et je viens peut-être de lui sauver son gosse. Non mais... Ah. J'aime bien les vipères en bocaux dans les vitrines des pharmaciens. Tous les verres, on les garde sur des étagères, comme des confitures. Dès que les beaux jours arrivent, hop, à l'étalage. Non. Viens voir. T'as vu ça? C'est une couleur? Non, c'est une vipère, regarde. Non, c'est dégoûtant. Il faut dire que malgré une certaine répugnance, ça fascine les femmes. C'est un bon endroit pour brailler. Bon, on va voir si la leçon est sûre. Interrogation écrite. Qu'est-ce que j'ai dans mon slip? Une vipère ou une couleuvre? Ben, dis donc, avec la gueule que j'ai. Et toi qui les terrorises encore plus qu'un serpent. Hein. Ce soir, je suis encore bon pour me branler. Heureusement que t'es pas une vipère. Hein. Qu'est-ce que je me ferais mordre? Ah oui, oui. Vous voyez, cette main a fait fondre des milliers de voitures. Et sans aucun baratin commercial. Ah, c'est vraiment les plus moches et les plus dégueulasses qui vous plottent. Pouf, con. Chaque jour, 2 mains au cul en moyenne. J'en ai ras-le-bol, transport en commun.
Je vais me payer une bagnole pour aller au boulot. Je le regarde en me maquillant dans les bouchons. Avance les bananes. Alors Chérie, c'est vert, avance. Ta gueule. Je devrais être subventionné par l'industrie à ta vie. Et non, dans la vie, on peut se prendre la gueule à peu de près. Rien qu'avec des cabines téléphoniques. C'est une coriace, celle-là. J'en ai jamais connu qui résistait au bruit d'une pièce contre le verre. Ça va pas, non? Les regards qu'on vous lance dans ces moments-là. On est avec ça. Je voudrais manger un couscous. Un couscous? On sert pas de couscous ici. On sert des choucroutes, des potées, des huîtres, mais pas de couscous. Ah. Ça, c'est embêtant parce que moi, j'aurais voulu manger un couscous. Un couscous? Vous en avez un en face? Manger une choucroute. Une choucroute? J'ai pas la choucroute ici. J'ai le couscous. Couscous agneau, couscous bolette, couscous mouton, couscous royal. Mais je n'ai pas la choucroute. Voilà. C'est embêtant parce que moi, j'aurais bien aimé manger une choucroute. Si vous, tu veux manger la choucroute, vous avez la brasserie juste en face dans la rue. Oui, bon ben, je vais aller là. Oui, c'est une bonne idée d'aller là-bas. Voilà. Juste en face, tu traverses et puis vous y êtes arrivé. Bonjour madame. Je voudrais un couscous. Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous savez bien qu'on sert pas de couscous ici. On est déjà bien gentil de vous laisser entrer dans cette tenue. Faut pas en plus nous embêter. Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas eu de couscous. Quoi?
Émile, viens me donner un coup de main. Allez hop, c'est haut. Va voir les couilles d'en face, tu seras bien. Tiens. Casse-toi la minus. Voilà, voilà, voilà ce qui arrive quand on veut manger une choucroute sans avoir de cravate ni de chemise, voilà. Oh, oh mon pauvre vieux, les Alsaciens, c'est kiff kiff les Boches, c'est la même chose. Tu veux manger un couscous? Moi je te l'offre, allez viens t'asseoir. Si vous me l'offrez, c'est différent là. Couscous-boulette, ça vous ira? Alors c'est parti. Voilà le couscous, monsieur. Tu vas te régaler. Je réussis des fois à avoir des couscous gratuits. Et des choucroutes, jamais. C'est marrant, hein? Non? Quel est le bruit le plus agréable de la rue? La musique des marteaux-piqueurs? Les cris des vendeurs de légumes? Non. Les coups de klaxon? Pas du tout. Le bruit des moteurs? Encore. C'est celui de deux bagnoles qui se rentrent dedans. La seule et unique musique qui fasse naître le sourire sur les faces blafardes et tristes de ceux qui rentrent du boulot le soir à 6 heures. Ni la pop, ni l'Ojar, ni Mozart ne peuvent prétendre à un pareil résultat. C'est marrant, dirait que c'est une petite maison en bois et j'ai un mec déguisé à l'intérieur. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on les déguise. Oh, oh, oh là là, lamentable. Oh, oh, minable monde. Oh, oh, oh. Un mec habillé normalement a autant de succès auprès des touristes. Le Coca-Cola, c'est la boisson idéale pour boire quand on est célibataire. Ça pétille, ça fait du bruit, on n'a pas l'impression d'être seul, on a un interlocuteur. Ah, on s'endort. Salut.
ça te dirait d'aller aux eaux gratuitement? Monte là-dedans. Ah oui, t'aurais préféré un slip non fumeur. Allez, viens. Votre ticket. Ah, je suis le kangourou échappé du zoo hier. Je rentre au Vercueil. J'ai été très déçu par la liberté. Vous n'allez pas demander son ticket à un kangourou qui retourne au goulag de son flagré, non? Moi, j'ai reçu. Allez, viens, on va voir les girafes, quoi. Ça te plaît? Non? Bon? Et les éléphants? Allez, casse-toi. Et les éléphants? Non plus. Oh, puis ils sont tout le temps en train de réclamer des cacahuètes. T'as fini, oui? Tiens, en fait, j'aime bien ça, les cacahuètes, moi. Quoi? Tu vas pas refuser des cacahuètes à un kangourou qui allait être son petit, non? Et voilà le plus beau. Hein? Hé, hey, fais une bise à ton cousin. Oh, oh, quel con! Oh, il a peur. Eh, hey, sors de là, blessure. Bientôt fini cette pantalonnade obscène. Pantalonnade obscène? Si vous émergiez pas des kangourous aphrodisiaques, ça n'arriverait peut-être pas. Et mes cacahuètes? Oui, bah tiens tes cacahuètes. Le zoo me permet de voir des êtres qui se font beaucoup plus chier que moi dans la vie. Oh! Hop! 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 Ouh! On reste des heures face à face. Je viens le voir souvent. On se connaît depuis le temps. J'ai mis des années à obtenir infiniment plus que n'importe quel dompteur. Une vraie poignée de main à la fin de la visite. Madame, voulez-vous prendre mon bras pour traverser la rue? Enfin, je suis pas une handicapée. Oh, je sais. Vous êtes rayonnante, pétante de santé. Non. Oh, j'aurais voulu connaître un instant le bonheur d'être un futur papa heureux et comblé. Oui, bah non, ne me touchez pas, s'il vous plaît. Juste pour traverser cette rue. Non, je dis ça suffit. Ce bonheur m'étant toujours refusé, vous avez mis ma gueule. Bah, vous devriez soigner votre tenue. Aucune femme n'ayant manifesté le désir de prolonger ma lignée au-delà de moi. Alors vraiment non? Mais foutez-moi la paix, je vous ai dit non. Quelqu'un peut-il m'aider à traverser la rue? Bah, allez-y, vous, qui aimez bien faire traverser les gens. C'est con, hein? Il me vient une idée. Au lieu de vous demander gentiment,
Il mieux fait de vous crever les yeux. Mademoiselle, vite, ça vous dirait de venir tirer un petit coup à l'hôtel avec moi? Ah ouais. Allez, venez. C'est facile de draguer quand on est beau mec. Oui. Et qu'on a du fric. Donnez-moi une belle gueule et du fric et j'en fais autant. Je pèse n'importe qui. Quel plaisir peut-on prendre à séduire une femme dans de telles conditions? Moi, j'ai du mérite si j'en vale. Avec ma gueule huileuse, bordée de dents pourries, mon bide, mon slip à la con et mon mégot. Et pourtant, ça suffit pas. Non, j'aime la difficulté. Le handicap maximum, comme on dit au tiercé. Je prends deux cabas que je vais remplir. Patates, poireaux, litre de vin rouge, couche pour bébé, et en avant! Tant qu'à faire, je choisis la plus belle. Alors, on se remet? Ça va pas, non? Bah, c'est mes cabas qui vous gênent. Ah, mais quatre gosses, ça mange, hein? Mais un mot de vous, et je suis prêt à les abandonner pour vous suivre au bout du monde. Je vous préviens, je suis pas un rond. Hein. Mais si vous m'aimez, vous casserez bien votre carrière. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non? Bon. Mais vous le regretterez toute votre vie, hein? Voyons ailleurs! Ah! Il faut autoriser en plus. Hello? Et j'ai décidé de changer de vie. Je largue ma femme et mes quatre gosses pour vous suivre au bout du monde. Mais ma parole drague! Avec la bagnole que vous avez, vous pouvez me payer une croisière dans le Pacifique. Manquez pas de culot, hein. Hé, hey, je prends un rond, mais en vendant mes cabas, je pourrais toujours trouver de quoi acheter un Bermuda. Vous êtes dingue. Pour être franc, j'ai pas grand espoir que ça marche. Mais chaque semaine, je rentre dans la vie d'une douzaine de jolies femmes. J'ai été draguée par un mec pas croyable. Vilain, gras, dégueulasse. Il portait des cabas pleins de mangeailles. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il était prêt à quitter sa femme et ses quatre gosses pour me suivre jusqu'au bout du monde. Oh. Ah ça, j'ai souvent été draguée, mais par des comme ça, jamais. Et chacune d'elles se souviendra de moi pendant des années. Pendant des années... Dans leur petite tête, il y aura ça. Des centaines de femmes qui ne m'oublieront pas. Il n'y a pas beaucoup de mecs beaux et avec du fric qui peuvent se permettre d'en dire autant. Pas beaucoup. Tous les dimanches matin, je lève mon slip. Ça me sert de messe. Le décor convient très bien. Petite loupiote, figure de cintre, vitrail cassé, bénitier. Il y a même de l'encens. Et hop, génuflexion. Confession. Lundi, je me suis branlé. Mardi, j'ai eu la flemme de me torcher le cul. Et bien... Ah ! Vendredi, j'ai attrapé des morpions. Et hop,
imagination. Biling, 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 biling. Ça va, c'est bon. Et après, l'âme en paix, je vais chercher des gâteaux chez le pâtissier. Maintenant, fais jaser. N'empêche que le seul dans cette queue dont la tenue ressemble à celle du Christ, c'est moi. Alléluia. Alléluia. On dit que la ville coupe les gens de la nature. C'est pas vrai. Le grand cycle de la vie, le voilà. Le bébé perd le biscuit. Le chien mange le biscuit. Le chien fait caca. Les mouches vont sur le caca et repartent sur le bébé. Le grand cycle de la vie est bouclé. Ça m'émerveille. Ah oui. Oui. Okay, allez, il y a un bon kiki. Ça m'émerveille. Les mamans aussi devraient s'émerveiller. Hein. Voilà encore l'autre avec son grand slip qui traîne par terre. Honteux. Quel exemple pour les enfants. Eh bien, pas du tout. Elles ne sont préoccupées que de chiffon et de mode futile. Voilà. Quelle époque. Si, mais j'étais encore là il y a 5 minutes. On les a volés. Au secours! Au secours, aux voleurs, hein, aux voleurs! C'est pas vous qui me les auriez volés par hasard? Ça fait un moment que je vous vois rôder autour de moi. Mais je vous ai rien volé. Comment? J'étais dans mon slip il y a à peine 5 minutes. Oh, voleuse! Voleuse! À la voleuse! Stop! Explication! C'est une voleuse! C'est elle qui me les a volés! Qu'est-ce que vous avez volé? Ah oui, oui, osez dire à monsieur l'agent ce que vous m'avez volé! Alors? Elle m'a volé une paire de... Une paire de quoi? Une paire de boucles d'oreilles. Vous avez volé des boucles d'oreilles à monsieur? Mais pas du tout, c'est les miennes! Vous portez des boucles d'oreilles, monsieur? Il croyait que c'était dans son slip! Dans son slip? Qu'est-ce que c'est que cette fable? Vous voyez bien qu'elle débloque. Ah, puis j'en ai marre de cette histoire de foule. Je vous les donne, mes boucles d'oreilles. Ça s'arrange. Bon, vous retirez votre plainte. Oui, voilà. Quand on pense qu'il y a des cons qui attaquent les bijouteries, alors qu'avec un peu d'imagination, c'est un jeu d'enfant de se procurer des boucles d'oreilles. Un jeu d'enfant. C'est vous la babysitter? Oui. Où est le petit? Mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous plais pas? C'est-à-dire, on nous avait promis une étudiante catholique. Eh ben, je suis catholique. Bon, d'accord, je suis pas étudiante, mais c'est aussi bien pour vous. Les étudiantes catholiques, y a pas mieux pour vous piquer vos maris. D'ailleurs, le vôtre, c'est pas mon genre. Puis pour votre petit garçon, c'est pareil. La mode a beau être au PD, je suis resté très rétro sur ce sujet seulement. Parce que sans ça, je suis assez progressiste. J'ai amené quelques photos porno. Il a 8 ans, c'est ça? Oui. Ça va commencer à l'intéresser, puis après, c'est après une petite branlette pour dormir. Il n'en dormira que mieux.
Les chercheurs de Berkeley ont découvert qu'il était plus simple pour dormir de se masturber que de prendre des somnifères. Oui. Peut-on savoir pour ce litre de vin ? Oh, ben, c'est ma consommation personnelle, ce qui vous met d'ailleurs à l'abri des vols dans votre réserve. Tiens, il a raison. Mais vous allez être ivre. Exact, dès que le petit sera endormi. Et quand je suis ivre, je deviens méchant. Et à notre époque, avec les bruits qui courent l'enlèvement, c'est très utile d'avoir chez soi quelqu'un de méchant pour garder les enfants. 20 balles de l'heure pour éviter des millions de rançons, c'est donné. Tous ces arguments tiennent debout, on peut sortir tranquille. Je sais parler aux bourgeois, moi. Les enfants, je vais vous raconter une belle histoire. Autrefois, sur la terre, il n'y avait rien. Rien que du caillou, de la vapeur, du méthane, de l'ammoniac. Et puis un jour, de grands éclairs d'orage ont envoyé des décharges électriques. Alors, une nouvelle matière est née, les acides aminés. Ces acides aminés ont donné naissance aux protéines. C'est pas marrant comme histoire. Les protéines sont à la base de la vie. Des milliards de micro-organismes sont nés. Et alors, des algues, du plancton, etc. Toutes sortes de bêtes très petites qui vivaient dans de l'eau. Ces bêtes ont eu des cils, des nageoires, et on est arrivé aux poissons. Les poissons. Et puis alors, un jour, un poisson en a eu marre de vivre dans l'eau, et il a essayé de grimper sur la terre. Ses copains ont essayé. Évidemment, seuls ceux qui avaient des nageoires solides y sont arrivés. Il y en a même qui ont essayé de respirer de l'air. De l'air. Certains y sont parvenus avec des nageoires qui sont devenues carrément des pattes. Des pattes. Et les lézards sont apparus. Les lézards. D'abord très petits, puis alors au fur et à mesure les plus gros ont cassé la gueule aux plus faibles. Et enfin sont arrivés les brachiosaures qui ont pesé plus de 50 tonnes. 50 tonnes. Ils étaient très costauds et plus intelligents que les poissons, et pourtant ils ont tous disparu, remplacés par une race plus intelligente, les mammifères. Tant mieux. Et puis les singes, et puis les hommes primitifs. C'est pas marrant. Parmi les hommes primitifs, seuls les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents ont gagné. Les Grecs ont cassé la gueule aux barbares, les Romains aux Gaulois. C'est toujours les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents qui gagnent. Exact. Depuis des millions d'années, une lutte continuelle. Des milliards de lézards s'entre-dévorant, des milliards de grands singes s'affrontant, des massacres sans fin, des hordes conquérantes, des tribus soumises décimées. Et tout ça vers un seul but suprême, l'homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire moi. Je savais bien que je finirais par les faire rire. J'adore ouvrir les boîtes de bière. Je me sens une âme de baroudeur qui dégoupille des grenades. 6 secondes. 2, 3. 5, 6. Et. Ça rate pas. Le concierge me la renvoie aussitôt. Alors. Et hop. 6 secondes. C'est la guerre. Et... Ah, ça tombe, ça tombe. L'autre. 6 secondes. Et... Ah.
Il y a autant d'ambiance qu'à Guadalcanal. Bam! Petite femme, jolie, gaie, douce. Je m'aurais préparé mon repas avec des enfants qui jouent sur les genoux. Le Dieu, c'est la déprime! Réagisse vite. Qu'est-ce que c'est? Pardon, madame. Pardon, vous n'auriez pas une couche sale, s'il vous plaît? Une couche sale? Oui. Ici, il n'y a que ça. Merci. Regardez-là. Pas que les pièces qui font plaisir aux aveugles. Oh. Hey. Oh, la salope! La salope! Tous les matins, elle me plotte les couilles. Oh, je paierais cher pour voir sa tête. Je l'imagine avec une bouche de suceuse, des nichons, un gros cul qui se balance. Oh, la salope! La salope! La salope! La salope! 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 Moi, ce qui me dégoûterait le plus si j'étais prostituée, c'est de devoir monter avec n'importe qui. Bah, bravo, j'ai entendu. Alors, ce qui vous gênerait, c'est pas d'accepter de l'argent pour coucher. Ce qui vous gênerait, c'est de pas pouvoir choisir votre client. Bravo, jolie mentalité. Et ça joue les vertueuses. Non, non, mais je vous suis pour raconter ça à mon mari. Vous n'auriez pas besoin d'un père pour votre enfant. Non, merci. Non, je vous dis ça parce que j'ai remarqué que vous n'aviez pas d'alliance à votre doigt, malgré votre état. Et alors? Je vous disais ça pour éviter la honte dans votre famille. Non, mais ça va pas. Mais vous me prenez pour qui? Vous êtes qui pour me draguer? Non, mais sans blague, vous n'allez pas.
boîte de cassoulet. C'est une société en réduction. Il y a des gens importants. Des saucisses. Des bouglards. Puis il y a les haricots. Moi, dans cette société, je suis un haricot. J'ai l'importance d'un haricot. Quand il manque un haricot dans une boîte, on ne le rapporte pas chez l'épicier. Par contre, s'il manque les saucisses, alors là, le scandale. Vive le communisme. Et les haricots dans la boîte. Si je manquais dans cette société, personne s'en apercevrait. Merde. Merde. Tristesse, quelle tristesse, moi. C'est déjà froid. Rien ne refroidit plus vite une boîte de cassoulet. Tout pour me plaire. Demain, je mange autre chose. Plutôt après-demain, parce qu'il reste encore deux boîtes. Seigneur, bénissez cette nourriture. Hein? Hein? Dieu n'a pas d'humour. Sinon, ça l'aurait fait rigoler. L'univers n'est que tristesse. Oh.
dégueulasse.